記憶は言葉を操り、やがて人から人へと受け継がれ、いつしか我々はそれを物語と呼び始める。シエルグリスと呼ばれるその世界では、物語の始まりは時に悲しい運命を伴うことがある。一人の少女の平凡な毎日から始まった。ある冒険がそうであったように。Moi, j'ai bien envie de donner une note de 10 sur 10 rien que pour la musique d'introduction. Elle est vraiment excellente, hein. Ah, ce petit piano, il fait vraiment du bien à entendre. Ce petit piano bien aigu, mais en même temps, on va dire bien céleste, on va dire ça. Ah, ça fait du bien aux oreilles, hein. Ça fait du bien aux oreilles. Et bien sûr, tout le monde, si tu n'avais pas né, bienvenue pour une vidéo découverte, encore une vidéo découverte sur PS1. Alors, on va traiter de Ciel Gris Fantasme. Alors, c'est un jeu totalement inconnu pour moi. Je pense que c'est un RPG, je pense. Parce qu'on m'a dit qu'il avait pas mal de recettes de visual novel aussi. Bah écoutez, sans plus tarder, on va s'y lancer maintenant. Voilà. Hop, DualShock. Non, j'utilise pas de DualShock. Voilà. Ah, c'est bien. C'est doublé. Ça fait du bien, ça aussi. Bon, de toute façon, je vais pas dire on va vraiment passer les dialogues, parce que, bon, étant donné que c'est plus un style visual novel, c'est important. Oh mon Dieu, excusez-moi. Étant donné que c'est un style quand même bien, bien important concernant ce facteur, donc, quel visual novel de la lecture des dialogues. Mais il faut dire ce qui est, bon. Il n'y a pas de traduction ni française ni anglaise, comme pas mal de jeux sur PS1 malheureusement. C'est dommage, mais bon, on peut pas tout traduire non plus, hein, sinon on va prendre une éternité, les gars. Bon, c'est moi qui vous le dis. En tout cas, j'aimais bien ce petit fond. Ah, même le petit fond ici derrière, il est vraiment pas mal. Un style assez crayonné, on est comme ça. C'est vrai que c'est pas mal du tout. Alors, j'ai l'impression qu'il part en balade avec une amie ou sa sœur. Il s'éloigne de leur village, il a dû sûrement lui dire « Viens, on va aller jouer à l'extérieur. » Ah. Forcément, une grotte, hein. Et comme tous les gland du héros ou pseudo-héros qui se respectent, ils vont aller dedans, sans savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Oh oh oh, il y aura peut-être un monstre, écoute. Je parie qu'il va y avoir une grosse merde. Ah. Oh. Plus qu'il a marché sur le cercle, c'est un peu la merde là, j'ai l'impression. Qu'est-ce qui va se passer? Après 1000 ans, enfin, je suis revenu. Oh. Oula, qu'est-ce que vous avez foutu? Enfin bon, c'est pas de leur faute, hein, mais... Oh putain. Ah, c'est déjà comme ça. Waouh, ça commence fort. Les mecs, ils ont invoqué Satan. Oh, les pauvres. Les petits gosses qui voulaient s'amuser. Oh là là. Oh, vous avez pas de chance, hein.
Est-ce qu'il lui dit de fuir et il va essayer de l'attaquer? Mais t'espères quoi, mon grand? T'espères quoi? Bah t'espérais quoi? Avec ta taille, mon grand Franchement, fallait pas attendre grand-chose, hein. Elle me fait tellement penser à vous savez qui. Dans Valkyrie Profile, tu as une des antagonistes principales. Elle a carrément mais la même gueule. Elle a tellement la même gueule. Je lis dans le symbole, il y a Megami, donc qui veut dire déesse, donc en japonais. Apparemment, ça serait une déesse, mais je veux dire, est-ce que je comprends pas? Bah, le gars, il a quand même. Allez, il a marché. Excusez-moi. Il a marché sur un cercle, et d'un coup, t'as le démon qui arrive, t'as la déesse qui arrive, ça part de rien. Ça paraît là comme ça, d'un coup, pff, vas-y que je viens, tout ça. Oh, c'est bizarre. Je veux dire, t'as tout qui apparaît là comme ça d'un coup. En tout cas, la musique derrière, elle est vraiment belle. Tu es l'élu. Je rigole, mais je parie que c'est ça. Hein. Alors, désolé, ce sera sûrement pas intéressant pour vous. Cette découverte, parce que bon, étant donné que c'est un novel, tout ça, je peux pas vraiment prévoir à l'improviste tout ce qui est marqué. Je reconnais quelques symboles, par rapport au visuel, je peux me permettre, comment dire ça, de prendre plus un repère visuel par rapport à l'histoire, par rapport à ce que je pourrais comprendre de l'histoire donc. Mais bon, j'ai envie de dire, j'avais envie de faire une vidéo là comme ça, j'avais envie de découvrir ce jeu, je me suis dit, ouais, pourquoi pas brancher le casque, voilà quoi. C'est peut-être pas intéressant pour vous, mais c'est intéressant pour moi, quoi. Voilà. En tout cas, les musiques sont pas mal. Ça, j'ai envie de dire. Enfin, dans pas mal de jeux, de toute façon, dans pas mal de genres de RPG ou visual novel, les OST m'intéressent fortement toujours. Et là, c'est pas doublé. Bon, ok. Ok. Alors, tu es... qui c'est tous les deux? C'est les parents des héros, peut-être, non? C'est peut-être leurs parents. Quand même une musique assez triste derrière, donc j'imagine qu'ils ont appris la nouvelle que... ils retrouvent pas leur fils, leur fille, tout ça. Sauf si je me gourre complètement, hein. Quand tu sais que ton fils il a invoqué Satan, le pauvre. Ça c'est vraiment la merde, quoi. J'adore les flûtes de Pan en OST, bordel. Flûte de Pan ou Orcarina, vraiment quoi, j'adore. C'est tellement le kiff pour moi, quoi. Puis ce ciel dessiné à la main, tout ça, voilà quoi, j'adore. C'est beau, quoi, c'est beau, moi j'adore. Bon, je vais passer. Par contre, je comprends pas. Ils sont. Allez.
Ils ont perdu leur gosse, tout ça, mais ils gardent le sourire. C'est si tu veux. C'est si tu veux. Oh, qui c'est? Oui, des petits points. Que pas ça. Ah, ils vont tout doucement nous retrouver. Ce sera bien. Oui, il suffit encore de voir la grotte désormais. Non? Ah merde. On sait pas de quoi est aller. A devenu la fille, tout ça, le garçon. Peut-être que le garçon, il a été enlevé par le démon. Sait-on jamais? Peut-être qu'on va envoyer quelqu'un partir à la rescousse, je ne sais pas. Oula! Tu y as bu un petit peu de trop, mon grand. Tu y as bu un petit peu de trop, j'ai l'impression, mon grand. Oula! Mon pauvre. Bah, je pense qu'on a été appelé. Ou alors c'est... Non, c'est pas nous plus tard. Non, non. Parce que le gosse, je pense qu'il a été enlevé par le démon, là. Qui... Ouais, et franchement, excusez-moi, mais c'est totalement con, la façon dont le démon il est ressuscité. Genre, le mec, tu vois, après 1000 ans, il a marché là, comme ça. Je sais pas. Là, il y a eu un énorme trou durant 1000 ans. Durant 1000 ans, on ne dit pas qu'il y a pas quelqu'un qui a quand même été avant regardé par curiosité à l'intérieur et a marché sur le cercle. 1000 ans, quoi. C'est... Ça me paraît quand même bizarre, hein, tout ça. Ça me paraît bizarre. Hein. C'est franchement bizarre. Ah bon. On va pas jiboter, mais bon, voilà, ça... On manque quand même de logique. Ah, voilà. On est dans le système du jeu, enfin. Alors, comme dans un visual novel, on nous calcule le jour, la... Enfin, la date plutôt, et l'heure... Non, pas l'heure, le jour et la date. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rentrer. Je peux me reposer. Non, j'ai pas envie, je peux parler. Bon, ça me paraît logique. Qu'est-ce que tu me proposes? La world map. Non. Je sais pas ce que tu veux me faire, mais non. Alors ici, ouais, c'est pour aller visiter les différents lieux. Ok, alors je peux proposer de me reposer chez... de payer pour me reposer de l'autre côté, mais je peux me reposer ici sans rien payer, bon, si tu veux. Allez, partons à l'aventure. Ok, je pouvais sélectionner là. Sélectionner des positions. Alors, apparemment, c'est une world map qui se dirige avec un curseur. Donc, écoutons un peu la musique. J'adore. Je kiffe. Je kiffe vraiment. Il y a aussi le soundphone de la PS5 que je kiffe toujours. De toute façon. J'essaie d'écouter encore la suite de la musique là. Ah, elle est géniale la musique. J'adore. C'est des OST, vous voyez, dans les RPG. Ça traite toujours de flûte de pan, des trucs comme ça, mais je sais, je me répète, mais voilà, j'adore, je suis facilement ambiancé par le jeu là. Bon, peut-être que pour vous, allez, puisque je comprends moitié l'histoire, tout ça, même si visuellement parlant, ça se voit, hein, on voit quand même le contexte. Écoutez-moi ça.
Ok, il y a eu un beau bug. Le son. C'était génial. Merci de me gâcher mon expérience sonore. Saleté d'émulateur. Et voilà, ce solo de... Je sais pas, c'est un orcarina... un peu... Comment vous dire ça, un peu modifié, quoi, avec le mixtape de son. Ça rend bien, quoi, ça rend bien. J'adore. Ah, coton battle theme, tiens. Putain, mais je kiffe. Ah, mais c'est excellent. Des solos de piano, là, comme ça. Allez, on va le battre. Allez, XP, level up. Ah, oh, mais c'est solo de piano là, tout ça, c'est... Oh, on a recruté un monstre, t'es sérieux? Ah, c'est excellent ça. On peut recruter des monstres apparemment. Ouais, bon, j'ai mis des caractères similaires, mais bon, ça c'est pas grave. Écoute. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On peut recruter des monstres alors, mais c'est bien. Ah si, on peut aller appeler des monstres... Comment vous dire ça? Les recruter, tout ça. Mais c'est bien. C'est bien. J'adore. Je kiffe. Je suis pour. Je suis pour. Je suis totalement pour un système ainsi. Ah mais vraiment. Alors fais voir. Ouf. Oula. T'as fait mal, mon grand. Alors, oui, je peux... Attends. Oui, voilà, je peux invoquer un monstre. Ah, mais c'est pas mal. Du coup, il va sûrement nous protéger de toutes les attaques. Si je comprends bien. Oula, j'ai un bruit de gorge là. C'est le repas qui remonte. Mais c'est vraiment pas mal ce système de monstres là que tu sais recruter. Totalement. Ah, tu sais les monter de niveau en plus, mais c'est excellent. Oh, encore un monstre. Alors, hop. Et j'aime bien le genre de barre ATB qui est mise en place. Ça permet vraiment de bien réfléchir pour les tactiques, pour le coup. Un mix entre un peu l'ATB, là, et le système de combo tour par tour. Ah, je suis pour. Ah, pour nous introduire. Oh, la musique, putain. Arrêtez de me mettre des flûtes de pan partout, j'ai toujours adoré, là. Eh bien écoutez, les gens, bon, ça apparaît vraiment une vidéo courte, mais bon, je veux dire, ça changera un petit moment, ça fera une petite vidéo break avant que je reprenne grandement, je vais pas dire en force, mais grosso merdo les let's play, parce que je dois quand même bouger un peu les fesses, hein.
Il y a FF5 qui traîne, il y a Riviera. Bon, j'avançais là dernièrement, mais voilà quoi. Si, Baroque, bon, je peux prendre mon temps, ça, il n'y a pas de souci. Mais voilà, je dois quand même avancer, je vais profiter vachement des vacances pour le coup. Bah écoutez, c'était la découverte de ce jeu qui m'a l'air fortement, fortement sympathique. Et ben moi je vous laisse pour une prochaine vidéo, c'était Thémapone, et à bientôt tout le monde, ciao, bye bye.